Hello tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, on reprend. Alors, je remets à jour mon chrono parce que j'ai vraiment tourné aussitôt. Allez, non, remets. Voilà, merci. Allez, c'est reparti. Épisode 2 d'Executive Assault. On va prendre notre revanche sur le Janitor. Janitor, n'est-ce pas? Toujours sur la même map, on va pas changer. Hein. Et on est parti. Voilà, on est parti. Alors, je m'appelle Bob Corp. Alors, c'est le nom de base, hein. C'est pas moi qui ai choisi. N'y voyez aucun clin d'œil à un éventuel youtubeur. Allez, c'est parti, on se dépêche, là on y va tout de suite, on rigole plus. Allez, foutons l'interface neurale sur la tronche. Voilà. Et en fait, le pistolet du patron, il sert à rien. À la fin de l'épisode 1, je l'ai canardé, le droïde. Hein. Le seul en plus qui a réussi à passer. Que dalle, que dalle. Je le chatouillais, le bordel. Bon. Alors, construis tout de suite ce qu'il faut. Je vais tout de suite lancer une recherche pour la puissance. Alors, structure, tac. Increase the amount of power stored. Ok, on fait ça. On va tout de suite dans la recherche parce que... Parce que là, ça va pas être possible. Ah oui, je suis en internal view, d'accord. On peut aller dans le réacteur. On peut voir le réacteur. Oh, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, j'en découvre tous les jours. Alors, Robot Factory, on va la faire tout de suite. On va la faire... la sortie des robots par là. Il faudrait la faire comme ça. Bah, comme la dernière fois, en fait. Hein. C'était très bien, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Tac, on va faire le... Bitonio de puissance. Très bien. En fait, on va faire comme avant, hein, le drone, bien sûr. Mais on va pas tout de suite prendre le truc de fer ici. On va prendre que celui-là pour l'instant. Et on va éviter de foutre des tourelles à outrance. Pour l'instant, on va plutôt se défendre avec des droïdes. Ça sera moins coûteux en puissance. Ça ne peut être que bien. Très bien, donc là j'ai mon drone fabricator. On va faire quelques drones. Très bien. On va aussi faire quelques robots. Combien que ça coûte le robot? Combien il coûte? 120, putain. Ça coûte déjà cher un droïde, hein, faut pas croire. Allez, c'est parti. On va en faire quelques-uns. On va en faire quelques-uns. Alors, pour l'instant, niveau puissance, je me porte bien. En même temps, c'est normal. Je ne construis rien de particulier. Je vais peut-être mettre un Metal Extractor. Ça bouffe quand même pas mal d'énergie, Metal Extractor. Hop. Alors là, on peut voir... Ah, ça c'est une belle chaîne de production. Ça c'est bien. C'est très bien. Allez mon armée, réveillez-vous. Ah. Allez, très bien. Quelques droïdes, on va les mettre ici. Parce que de toute façon je vais me faire attaquer ici, hein. C'est clair et net. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre quelques droïdes directement dans le bureau du mec. Carrément à l'ascenseur ici en fait. Je vais pas me faire chier. Voilà, tiens. Et hop, une petite escouade de droïdes à l'intérieur. Ici, voilà. Attends, faut que je fasse peut-être internal view pour le faire. Voilà, venez là. Je peux pas. Comment ça, je peux pas? Ah ben oui, ben, faut peut-être les sélectionner avant. Espèce d'abruti. Voilà, c'est parti. Alors les droïdes, il faut tranquillement aller prendre l'ascenseur pour y aller. Est-ce qu'ils ont commencé à s'étendre? Non, je devrais peut-être en profiter pour le faire, moi. Pour aller à l'usine de fer là-bas. Alors, la recherche, elle a été faite ou pas? Si je ne lance pas la recherche, ça va marcher beaucoup moins bien. Tête de gland. Ah, je vous jure. Ah, ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. Ils prennent l'ascenseur, hein. Ils sont intelligents. Faut pas croire. Alors il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Il y a une map, enfin une espèce de globe ici. Là il y a un truc, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs il y a un truc que j'avais pas vu. Attendez, j'ai vu dans une vidéo. Non c'est, ah non, à mon avis il faut faire une recherche pour ça. Parce que dans une vidéo j'ai vu que le mec avait un gros bouton rouge ici. Et quand il appuyait dessus ça faisait un champ de force autour du bureau. Vous voyez, on peut faire des recherches pour pas mal de trucs. Alors qu'est-ce que c'est ça? Warning. No more than one person at time, please, warning. Alors ça doit être un truc d'évacuation d'urgence. Ça, je sais pas trop ce que c'est.
Il a quand même une sacrée tête de vin. Ah oui, c'est vrai, il est en connexion neuronale, dans la matrice. Il est complètement dans... Eh, toi, t'es un peu en retard, quand même. Ah, c'est ça. Ah, recherche complete. Très bien, donc on peut voir que je peux stocker quand même beaucoup plus d'énergie, mais là, je suis actuellement à moins 11. Alors, pourquoi je suis à moins 11? Pourquoi je suis à moins 11? Qu'est-ce que je consomme, là? Iron extraction, ouais. Mais je produis 25, d'accord, très bien, très bien. Faut pas que je dépasse les 25, tout simplement. Alors, on va continuer nos recherches sur... Alors, power pylon. Pylons that can send power and resources across the map. Très bien, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Alors, upgrade the capacitor with even more storage. Alors, est-ce que je peux carrément construire une deuxième centrale? Ça serait énorme. Non, je peux même pas construire une deuxième centrale. Ça me déglingue. Ballistic weapon. Trion weapon. D'accord, c'est des armes à énergie et tout. Energy weapon. Laser beam. Pulse laser. Focuset electron beam. C'est énorme. Je vais rechercher les pulses laser. Ça peut être toujours plus efficace pour mes droïdes que de simples projectiles solides, primitifs, j'ai envie de dire. Alors, je vais quand même déjà lancer une attaque. Oui, je suis un fou. Parce que là, il commence à s'étendre un peu trop, là, j'aime pas ça. Je vais juste détruire un de leurs pylônes, ça devrait paralyser leur usine. Alors, si je peux faire ça de loin, c'est encore mieux. J'ai envie de tester, parce que j'ai vu que la portée des... Voilà, pour retourner à la base, est-ce que je peux... Ouais, c'est un peu cheaté, par contre. Ouais, non, c'est même carrément cheaté de pouvoir tirer la fin. Ouais, ça a de la vie, quand même, hein. Carrément, allez, je vais essayer de me faire un droïde laser. Un droïde, bon, ça sera toujours le même droïde, hein. Regardez, je vais faire design. On choisit le modèle de droïde, on choisit son arme. Putain, il coûte moins cher. Il coûte moins cher en laser, quoi. Store, voilà. Il coûte moins cher en laser, c'est dingue. Alors, je vais essayer. Alors, est-ce que c'est plus puissant? Je ne sais pas, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc cette vidéo est la deuxième vidéo, on va dire, découverte. Les vidéos que je ferai plus tard, ce sera vraiment des épisodes suivis. On va essayer de faire des grosses parties avec limite 4 patrons sur la map. C'est le nombre de joueurs maximum, 4. Ça peut être cool. Alors voilà mon robot. Et pourquoi je peux pas le sélectionner, ouais. Ouais. iBot 1. Ok, voilà mon robot avec... Ah d'accord, c'est ce qu'utilise l'ennemi, d'accord. Ok. Alors est-ce que je peux tirer? Ouais, ça a l'air d'y aller, mais ouais, non, en fait, c'est carrément de la merde. Je comprends pourquoi les trucs solides tirent beaucoup plus vite. Je vais envoyer toutes mes troupes, hein, parce que là, là, c'est pas possible. Alors, est-ce que je l'ai touché? J'en sais rien du tout. C'est ça le souci, c'est ça le probe. Pulse laser down, ok, donc... Alors, attendez, je vais d'abord lancer l'attaque avant de faire un quelconque... Oh la vache! Oh, par contre, ils ont une laser beam. Ça a l'air dangereux quand même. Ah non, ça va, ils m'ont pas trop fait de dégâts. C'est vrai que le mec... Allez, 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 par contre! Ouah, bien joué, les gars, bien joué. Ah, ils ont envoyé des droïdes un peu partout, là. Ah, je peux pas ordonner l'attaque d'un bâtiment direct comme ça, je crois. Non. Malheureusement, je ne peux pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ils vont l'attaquer, je pense, automatiquement, quand ils vont arriver à côté. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, leur truc est complètement coupé. Je vais carrément envoyer les troupes. Allez, on y va.
C'est parti, à la charge. Quoi? Chut. Putain, c'est pas possible. Mais non. Non, mais pourquoi? Non, ça peut pas se passer comme ça. Alors, soit, oui, bon, j'allais dire soit je suis une bite à ce jeu, en même temps, ça fait que deux fois que j'y joue. Non, ça peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça, je ne suis pas d'accord. Ça fait que 10 minutes que la vidéo a commencé, c'est déjà foutu. Allez, on y va, c'est parti. Là, il faut se concentrer sur les recherches. Allez. C'est parti. Allez, on construit tout de suite la centrale. Allez, vite. Il va falloir que je mette des tourelles, au moins une tourelle, quoi. Ils viennent tout le temps par là, ces connards. Ça se... Allez hop, je vais mettre l'usine ici, rien à foutre. Le drone, je vais le mettre là, voilà, comme ça. Et puis, ça, je vais le mettre là, comme ça. Allez. Allez, dépêche-toi de construire. L'internet view, hop, on va faire quelques drones. On va tout de suite faire une recherche d'armement. Internal défense, office, add extra to your office. Ah, c'est fait ça. Emergency desk for field, protect the CEO. Ah, voilà, c'est ça en fait, ça fait un champ de force. D'accord, ça fait un champ de force quand je suis attaqué. Security control room, control all the security in the base, keep safe. Je vais le faire, ça, la salle de sécurité. Ça, c'est les défenses internes. Je crois bunker, long range, chain link, small turret, ça c'est bon. Large turret, il faudrait que je fasse. Spec ops, hacker bot, spécialiste de l'habilité de web. Unit. A11 bot light armor. Je pense que je vais faire, je vais rechercher ça après. Ballistic weapon, rocket launcher, phase de masse, canon, trion weapon, alors trion générateur. 5 minutes de recherche pour cela, c'est que ça doit être de la bonne. Hein. Shield, upgrade shield from the time, ok. Focus electron beam, laser beam, electron beam, ça a l'air pas mal aussi. Je vais le rechercher juste après. Ça, je vais faire des robots qui lancent des éclairs. Allez, close. Là, j'ai débloqué la salle de contrôle de sécurité. Je vais la mettre là. Ah, ok. Je vais la mettre là. Là où les robots ennemis passaient. Est-ce que je peux la mettre moi? Ça peut être mille, je pense. On va attendre que la recherche. Une défense, une défense, ici, okay, une petite toile. Oh, ce bruit bizarre, c'était un SMS, je crois. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec la salle de sécurité, là? Je sais pas trop, en fait, hein. Une salle de sécurité, est-ce que c'est pas un SAS? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, bon. Admettons. On va mettre une petite tourelle. Seule. Ici.
Ça, c'est la tourelle. La tourelle. Phase de masse. Est-ce que... Alors, j'ai bientôt mon électron beam. Alors, eux, ils ont fait des trucs, mais... Merde, attends, j'oublie un truc, là. Attendez, pourquoi il veut pas... Ah, mais quel con! Je viens de comprendre un truc, là. Bon, pas grave, on va faire ça. Mon pylône est trop loin de ça. Et merde. Faire ça. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, parfait. Nickel. Ok. Research complete. Ouais, par contre, là, niveau énergie, c'est. Wow. Ouais, c'est chaud de night, là. Qu'est-ce que je peux faire des recherches? Structure, énergie, hop. On va prendre ça. Tac. Je vais faire tout de suite quelques droïdes. Rien de méchant. Alors, design menu. Donc j'ai toujours le droïde niveau 1. Mais avec l'Electron Beam, il coûte 100. C'est pas si cher. Je vois pas pourquoi ça, ça coûte hyper cher. C'est pas non plus... Bon. On va essayer. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va en faire... 4, on va pas être non plus... Marc, si ça coûte moins cher, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein, parce que c'est vrai que... Bon... Eux aussi, ils ont fait des petites tourelles. Qu'est-ce qu'il me manque, en fait? Il manque... Oh merde, ils sortent par là, les droïdes, c'est vrai. C'est pas grave. Putain, ça se recharge! Mais c'est long! C'est sérieux? Non. Et en plus... Oh, c'est de la merde. Ouh, comment c'est de la merde! Non, franchement, ça me fait flipper, quoi. Non, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord du tout. Impact Blow... ouais, non. Trion Weapon... Triomphe, c'est... Ouais, tant pis, on va se baser sur le pulse laser, allez. On va se baser sur le pulse laser, tant pis. Tant pis. Par contre, ceux-là, ils vont aller direct... Ici. Devant le sas de sécurité. Alors, je sais pas... D'accord, c'est par là qu'ils passent, les enfoirés. Oh, je viens de caler. Je viens de les griller. Oh, les salopards. Les putains de salopards. Maniez-vous. Ils passent par là, les salauds. Mais quel con! Allez, là, ils se baladent dans les couloirs. Maniez-vous! Flinguez-moi ce putain de droïde. Ils passent par là, les enfoirés. Ah, très. Ah, ça, c'est bon. La confrontation va se faire... Il tire sur quoi là? Ouais. Hey, les gars! Vous le chatouillez! C'est de la merde à ce point là, vos armes! Je sais pas ce que c'est, mais je l'utilise. Merde, c'est le truc de départ. Non. Pas deux fois. Descends. Haha, enfoiré. Pas comme ça, moi. Popcorp, ouais, c'est moi, c'est chez moi, Popcorp. Je sais même pas où je vais. Je crois que j'arrive dans la centrale. Ouais, c'est ça, je suis à la centrale. Putain, c'est un cul-de-sac de merde.
que j'aille prendre une tourelle. C'était quoi ça? Je me demande si c'est pas mes droïdes qui ont... tiré. Oh, je suis dans la merde! Il me faut une porte de sortie là. Je suis enfermé. Je vais devoir passer par là. Je viens d'entendre des bruits de pas de droïdes, j'aime pas ça. Ça, c'est l'usine de drone. Non, je peux pas faire échappe, faut que je sois connecté au truc de... au truc neural pour pouvoir avoir la vue stratégique. Et puis eux, ils construisent chez moi! Sans aucun respect! Ah ouais, en fait, mon pistolet, il faut aucun dégât, c'est ridicule. Il sert à rien, mon flingue! Wow! Ah, c'est le truc de sécurité, ça, d'accord. Pas grand chose. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ouais, remarque, ça fait un sas quoi. Pour arriver là. Allez, je vais essayer. Je suis dans la merde hein, quand même. Hein. I mean the caca? Alors. C'est pareil. Je crois que c'est pareil. Allez, connecte-toi, boum. Ok. Bah je crois qu'ils l'ont eu, finalement. C'était... Par contre, toi tu vas dégager là-bas. Bon, les drones, c'est, ça va. Alors. On va entamer d'autres recherches. Alors, unit, non. Qu'est-ce que je voulais rechercher, moi? Ah, c'est bon, le laser c'est fait. Internal Defense, alors Security c'est fait, Office c'est fait, Security Doors, ah ça il me le faut ça, ça va rajouter des portes, ça c'est bien ça, Light Auto Turette, oh ça c'est, oh, c'est le, oh, c'est... oh là là, il me le faut, il me le faut, on va close, on va continuer la construction de droïdes, des droïdes de base. Parce que ça, c'est vraiment de la merde. Là, ils vont mettre 3 plombes à détruire ça, quoi. Ouais, on va faire quelques droïdes basiques. Une douzaine, c'est très bien. Ouh! Je peux améliorer les tourelles. Je vais les mettre en laser. C'est bien le laser, j'aime bien. Hop. Elles sont en laser. C'est parfait. Ah, ça coûte rien, le Electron Beam. D'accord. Je comprends que c'est de la merde. Je comprends là, je comprends tout de suite. Ah non mais regardez-les. Bande de... Oh là là. Recherche complete, d'accord. Safety door. Alors light auto turret, ça il me le faut. Ça va mettre des petites tourelles automatiques partout dans ma base. C'est parfait. Alors close. Ah, je peux... Prospector drone, je peux le contrôler? Ah non, je peux pas le contrôler. I have died.
Technical difficulty, non, c'est sympa. Allez là, mon armée. On se fait légèrement botter le train. Très bien. Ok, bon ça va, on a survécu, c'était une très légère attaque. Qui m'a coûté une tourelle quand même, hein. faut pas croire. Alors là, on arrose les gars, on arrose. Qu'est-ce qu'il veut lui là-bas là ? Ça c'est cheaté. Par contre je fais pas beaucoup de dégâts. Ouais, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. C'est le compromis en fait. Ah oui, il m'envoie des trucs de là-bas. Hein. Recherche. Alors light auto-turette c'est fait. Heavy auto-turette. Je vais le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Laser alarme green. Enfin, je le recherche aussi. Là je vais rechercher à fond dans la défense parce que je sais que je vais me faire beaucoup attaquer. Vous voyez là j'ai des portes de sécurité. J'ai pas mal de choses qui sont installées là. De toute façon, mes droïdes, je vais les mettre en faction à l'intérieur. Voilà. Security code. Et des petites tourelles. Au cas où, il y a des petites tourelles à l'intérieur. Alors, attendez. On va voir ça, on va essayer de voir à quoi ça ressemble. C'est surtout aux entrées, je crois. Je sais pas si on veut quoi. Aucune idée. Alors, est-ce qu'il faut les construire? Non. Il faut les construire, d'accord, très bien. Moi, ça va être long. Ouais, et puis en plus ça coûte des ressources. Oh, ça va être galère, mais galère. Et là ça me fait... Ah voilà, une tourelle ici. Très bien. Et une porte de sécurité. Putain, je me fais attaquer par un fucking avion. Oh, c'est bon, la tourelle l'a eu, très bien. On remet le bruit. D'ailleurs, celui-là il va être posté ici. Bon, ça va, je survis. C'est la survie, de toute façon, là, ça va faire une demi-heure que la vidéo... Où c'est qu'ils veulent aller, là, tout ça? Je peux mettre des heavy turrets, ça c'est quoi ça? Light auto turrets. Je sais pas où ça se met les AV turrets. Aucune idée. Aucune fiche 3D. Bon, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour remettre une tourelle? Je pense que oui. Je vais en mettre une ici parce que on peut voir que les drones sont très collants. Les drones ennemis là. Ils arrêtent pas. Ça coûte combien, putain, je suis en galère de thunes, c'est un truc de dingue. Et un char qui se ramène en plus. Et... Enfin, je crois que je vais encore perdre.
Eh oui, c'est ce qui me semblait. Gather more resources. Ouais, bah j'ai quand même des progrès à faire. Hein. Je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de jouer tranquille dans mon coin, de m'améliorer, tout ça. Mais, enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Parce que là, je crois que j'ai besoin... Ça va, tire plus loin aussi. Je crois que j'ai besoin grandement de skill. Hein. Mais ça va le faire. Là, c'est la première fois que je joue, c'est normal, je galère. Mais promis, ça va le faire dans les prochaines vidéos. Je serai prêt. Et j'arriverai enfin à buter ce fucking janitor. Oui. I'm sure I wish to quit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à essayer le jeu. Il est absolument génialissime pour les fois où je l'ai essayé actuellement. Même si je perds, je m'en fous. J'adore créer mes droïdes, les contrôler, aller dans les couloirs et tout, me faire attaquer. Il y a la musique épique et tout. On se dit, mais ah, je suis déconnecté, je sais plus où... Où sont mes droïdes? Je sais plus où sont les ennemis car j'arrive pas à voir ce qui se passe. Je sais pas. Est-ce que l'ennemi est à mon bureau? Est-ce que... Qu'est-ce que je dois faire? On est en panique avec son patron et son pauvre flingue de merde. Et non, franchement, j'adore. J'adore. J'adhère complètement à ce jeu, voilà. Donc, en plus, il y a un multijoueur. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. J'ai pas encore essayé, par contre. Hein. Je sais pas s'il est... Ouais, je sais pas s'il est... S'il est fonctionnel, mais je pense que oui, hein, si tu... Open, non, je sais pas. Si t'as des slots open, ça veut dire que tu peux peut-être inviter des amis comme ça. Je sais pas, faudrait que je me renseigne sur le multijoueur. Bon, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine, c'était Azalak pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires.